Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va ouvrir le courrier que j'ai reçu. Alors, j'avais fait mes vidéos hier, sauf qu'on a eu de la tempête, du vent, et du coup, j'ai perdu mes deux vidéos, du coup, je les recommence ce matin. Donc, je suis désolée. Vous les aurez un petit peu en retard, le temps de téléchargement, je pense ce soir, et du coup je mettrai l'autre demain. Voilà. Je voulais déjà vous parler, vous avez vu sur Facebook, j'ai fait de la publicité pour le lien sur Etsy, pour j'ai décidé de mettre ma palette papillon en vente. Pour moi, c'est une certaine évolution dans mes créations. Voilà, après, si vous voulez bien partager ce lien-là de ma petite boutique sur Etsy, ça serait très gentil de votre part. Et pour le moment, j'ai mis cette création-là pour voir un petit peu comment ça se passe. Et après, je pense que je mettrai d'autres créations. Donc, si vous avez envie d'aller faire un petit tour, je vous laisserai le lien dans la barre d'infos en dessous. Donc voilà, donc on va commencer par le courrier. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Alors, j'ai reçu des tamponnages de Handman. Parce que en fait, il avait commandé des tampons ou on lui a offert, je ne sais plus. Il y a déjà un petit moment de ça. Et j'avais vraiment adoré. Donc son tampon là, et du coup je lui ai demandé, quand il avait le temps bien sûr, s'il voulait bien m'en envoyer quelques-uns, que je puisse les imprimer. Alors du coup il me les a envoyés là, et j'aime beaucoup, c'est laisser ses rêves changer la réalité et croire que oui, tout est possible. Ça, j'adore cette phrase-là, et vraiment quand il avait lu son tampon, j'avais adoré, du coup, je lui avais demandé, à la rigueur, et du coup, il me les a envoyés. Donc, Greg, je te remercie beaucoup, pour les tampons et pour toute ta gentillesse, vraiment, t'es un mec au top. Je vais pas en dire plus, mais Greg, c'est vraiment, depuis le début de ma chaîne, c'est vraiment quelqu'un qui est là, qui m'aide, c'est un mec au top. Et voilà, c'est franchement mille merci de ta disponibilité, de ta gentillesse. T'es vraiment là au fond de mon cœur, t'es vraiment une belle personne et je te remercie vraiment, vraiment du fond du cœur. Donc, il m'a mis des tamponnages aussi comme ça, là. Des petites fleurs. Donc, là et là, des étiquettes. Hein. Donc, je te remercie beaucoup pour ton envoi, Greg. Quand ça sera un peu plus calme, je t'enverrai une petite carte de remerciement. Ensuite, j'ai reçu la participation de Sylviane Dupont. Donc voilà, alors comme d'habitude, elle m'a super, super gâtée. Donc voilà, Sylviane, je te remercie vraiment du fond du cœur. Tu le sais, de toute façon. Merci beaucoup. Déjà, rien que la participation me faisait plaisir. Donc du coup, regardez, j'adore l'embellissement là, de toute façon je les adore tous, voilà, c'est le fait que vous participiez, c'est vrai que pour moi ça me fait très chaud au cœur. Donc et ce que j'ai aimé, c'est que en fait là elle a mis une petite pochette avec des tags dedans, et c'est vrai que c'est une super idée aussi. Donc alors Sylviane, je vais répondre à ta question. Déjà,
Tu me dis que tu as mis un fond blanc parce que tu n'avais pas argenté ou gris, ce n'est pas grave. Regarde, le fond blanc va très bien avec le rose. Et moi, je mettrai mon fond de page pour la mise en page en gris, ce qui ressortira un petit peu les trois couleurs. De toute façon, voilà. Comme je vous ai dit, rose, gris, argenté, mais vous faites avec ce que vous avez, les couleurs que vous, enfin, dans ces couleurs-là, mais même si c'est pas, c'est rose et jaune, voilà, c'est pas grave, vous faites avec le papier que vous avez. Donc, du coup, voilà. Et ton autre question, pour les photos, les images que tu avais envie de mettre aussi, bien sûr, si après, par la suite, tu me les envoies, il n'y a pas de souci. Tu me mets, c'est pour l'album partagé et je les collerai dans l'embellissement. Voilà, pour moi, comme ça, quand je regarderai l'album, voilà, je retrouve vos photos, je retrouve vos images de ce que vous aimez et je trouve que c'est un petit plus, voilà. Donc, du coup, elle a fait une fenêtre là, une autre là. Hop, il s'ouvre comme ça. J'adore. Donc là, l'autre fenêtre et de l'autre côté. Voilà. Donc là, une. Hop. Et je trouve que voilà, je suis super contente. De vos embellissements et vraiment, j'ai reçu quatre courriers, mais quatre courriers où j'ai vraiment été super, super gâtée. Donc, du coup, je ferai toutes les mises en page dans la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, vous aurez beaucoup de mises en page. Mais oui, c'est m'avancer aussi. Donc, hop. Donc Sylviane, merci beaucoup pour ton embellissement qui est sublime. Et donc, comme je vous disais, voilà, elle m'a gâtée. Donc, hop, le raffia, je le mets là. Elle m'a mis des plumes en rose. Elles sont super, super belles. Donc voilà, je te remercie beaucoup. Elle m'a mis des petites fleurs comme ça. Alors, je voulais. Enfin, tu diras bien merci à ta fille parce qu'en fait, ça vient de la part de sa fille. Et du coup, bah, merci beaucoup parce qu'elles sont vraiment sublimes. Alors, c'est vrai que vu que ma première vidéo s'est effacée, j'espère que je n'oublie rien parce que j'ai commencé à ranger les choses. Donc, du coup, voilà, j'espère que j'ai rien de. J'ai essayé de tout remettre dans les enveloppes, mais j'espère que je me suis pas. Enfin, j'en ai pas oublié. Donc voilà, les fleurs, elles sont sublimes. J'adore. C'est trop, trop beau. Donc merci beaucoup à ta fille d'avoir pensé à moi. Et du coup, elle m'a mis aussi des feuilles comme ça. Elles sont géniales. Hop. Elles sont vraiment. Alors par contre, c'est hyper, hyper fragile. Voilà. Mais elles sont sublimes. Ça, dans une création, c'est trop bien, quoi. C'est trop beau. Donc voilà. Et du coup, elle m'a mis un dice. Donc, du coup, de personnage de comment ça y est, j'ai même oublié, enfin bref, d'un gabarit comme ça. Donc voilà. Et elle m'a mis encore plein plein de petites déco. Alors ça, je vais m'en servir déjà pour ta mise en page et je mettrai voilà. Je vais m'en servir pour l'album, c'est sûr. Les petits cœurs, vu que tu m'en as mis beaucoup, je pense qu'il y en aura quelques-uns comment ça s'appelle sur le
Oh, je suis désolée, franchement, là, voilà, sur les premières, le gabarit, on va dire, voilà, pas le gabarit, ah, ça veut pas me revenir. Bon, bah voilà, je suis désolée sur, je vais y prendre, sur, voilà, le départ. Ça, alors ça, vous voyez, j'ai commencé à préparer, on va en parler dans une prochaine vidéo, ça sera le classeur pour ranger. Tout l'album, donc on va tout décorer ensemble, on va tout faire, voilà, pas à pas. Et du coup, je pense que je m'en servirai pour mettre dessus. Donc, du coup, voilà. Donc, des petits cœurs comme ça qui sont trop beaux, qui brillent, ils sont trop jolis, tes cœurs. Et en plus, tu m'en as mis tout plein, je te remercie vraiment, du fond du cœur. Alors, ensuite, elle m'a mis des petits. Des petites branches comme ça, je les adore. Ça, c'est dans une déco, c'est juste magnifique. Des petites roses grises. Donc, bien sûr, je vais mettre sur la page, sur ta page en déco et avec des petits pistils en rose comme ça. Donc, voilà. Et ben, Sylviane, je te remercie vraiment du fond du cœur déjà. Pour ta participation et tu m'as encore gâté. Voilà. Vraiment, merci, merci beaucoup. Ensuite, j'ai reçu un deuxième courrier, donc, de Fimonat. Donc, c'est toujours la participation. Alors, déjà, on commence par sa carte hein, qui est sublime. Donc, sur un fond de la Tour Eiffel de Paris. Là, elle a mis des embellissements en bois qu'elle a. Tout pailleté, un brad bouton, j'aime beaucoup dans les couleurs marron comme ça, c'est super joli. Elle a mis plein de petites roses en bordeaux, en blanc, un petit papillon, vraiment sur du papier craft. Hein. Je te remercie beaucoup. Alors là, elle a mis le sentiment merci, parce qu'en fait, je lui avais fait un envoi et c'est pour me remercier de mon envoi. Et du coup, par la même occasion, elle m'a glissé sa participation à l'album. Et vraiment, merci beaucoup parce que ça me touche beaucoup de vos participations. Ça, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Et du coup, elle m'a gâtée aussi. Donc, ben, on va commencer par l'embellissement de l'album. Si je retrouve là. Donc voilà, il est sublime, vraiment j'adore. Donc elle m'a fait le style, si vous vous rappelez, le style de l'enveloppe avec plein de papillons qui ressortent de l'enveloppe, c'est trop chouette. Moi j'avais fait des cœurs et elle m'a mis des papillons et j'adore les papillons, alors ça pouvait pas mieux tomber avec plein de petits demi-strass en gris et donc un papier de fond holographique gris avec des cœurs, c'est trop beau. Vraiment un grand, grand merci, ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, voilà, elle m'a mis des petites bricoles. Donc voilà, elle m'a mis des demi-perles en blanche, des strass en gris, un papillon, des cœurs. Donc ça, c'est pareil, ça ira dans la déco de la page d'embellissement. Donc du coup, voilà. Elle m'a mis aussi des jolies plumes. D'un rose, alors c'est bien parce que c'est pas les mêmes roses, là il est un petit peu plus foncé. Donc du coup voilà, j'aime beaucoup ces plumes là qui sont comme ça. De toute façon j'aime les plumes. Voilà, elle m'a mis des magnolias. Alors là c'est super aussi parce que c'est pareil. Les magnolias, ben je sais pas pourquoi, c'est une petite fille qui me plaît bien aussi et je sais pas, elle est pleine pour moi, elle a plein d'expressions et ça change d'Égorgius. Et là, avec le petit garçon, alors là, elle est trop chouette. Moi, j'ai le petit garçon qui joue au foot. Et du coup, là, voilà. Donc, je vais les imprimer parce que, voilà. Et comme ça, j'en donne aussi à Pamela. Et celle-là,
Pouh, elle est toute soupette, avec son petit lapin, là, c'est trop beau. Donc là, elle est assise, j'adore. Donc celle-là, hop, qui envoie des bisous. Là, ça fait plus bébé, j'aime bien. Là, en infirmière, c'est trop marrant. C'est la première fois que j'en ai une comme ça avec en infirmière. Ça me fait trop rire. Donc après, oui, je vais les imprimer là avec une fleur. Comme ça, je les aurai là avec son petit nounours, là, sa petite peluche. C'est trop beau. Alors, il y en a que Evansia m'avait donné, mais il y en a que j'ai pas. Alors comme ça, voilà. Là, c'est en rond. Avec des petits papillons, des oiseaux, pardon, assises, c'est trop beau. Là, avec des ballons de cœur, j'ai bien aimé aussi celle-là. Ensuite, là, avec son thé et sa théière. Là, avec un petit cœur. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Là, avec son petit comment que c'est, ombrelle, style plutôt chinoise, ouais, j'aime beaucoup. Là, avec un petit papillon sur la main. Là, elle est comme ça. Là, avec sa petite pomme. Je te remercie beaucoup parce que c'est vrai, les magnolias, j'aime beaucoup. Et là, avec son petit pot de confiture, j'adore. Celle-là me fait penser à Pamela parce qu'avec ses confitures, quand elle vient, elle fait des confitures, elle m'en amène toujours et voilà. Et du coup, elle m'a fait un petit tableau comme ça qui est juste magnifique. Voilà, sur des bâtons de glace. Ouais, j'adore. Donc, elle m'a mis la magnolia avec son petit pot de confiture. Donc là, un pot avec un bouquet de fleurs dedans, c'est super chouette. Avec des papillons, là, il est en plâtre et des feuilles derrière. Un petit nœud papillon là, avec un petit strass. Il y en a un deuxième là. Là, un petit papillon, des strass là. Vraiment, il est sublime. J'adore, il est trop trop beau. Je te remercie vraiment, je te remercie énormément. Voilà, je vais alors, ça fait 20 minutes. Ce que je vais faire, je vais arrêter ma vidéo maintenant. J'ai encore deux autres courriers à ouvrir, donc je refais une deuxième vidéo parce que sinon le téléchargement il est à ne plus en finir. Et là, je vois sur l'enveloppe du coup. Elle m'a mis plein de découpes de mots. Donc, félicitations, bonne fête, joyeux anniversaire, invitation et merci. Alors, c'est moi qui te remercie pour tous ces mots. Du coup, je vais les mettre là à côté de moi dans ma boîte à mots. Et là, elle m'en a mis d'autres. Bon rétablissement, merci beaucoup pour toi. Bonjour, tendre pensée. Donc, je te remercie. Voilà, Nathalie, je te remercie. Fimo, Nat. Je te remercie énormément pour ton courrier, ta participation, tous les petits plus que tu m'as mis aussi. Ça fait toujours énormément plaisir. Et Sylviane Dupont, c'est pareil. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Et je remercie aussi ta fille pour les petits plus. C'est très touchant, ça me fait vraiment plaisir. Et merci aussi de ta participation. Ouais, c'est que du bonheur pour moi, voilà. Et merci Greg pour tout. Voilà. Je fais une autre vidéo que je mettrai, je pense, celle-là aujourd'hui et l'autre demain. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.